on a la chance d'avoir Momo comme parrain, donc à qui je vais laisser la parole, qui va vous dire un petit mot. Bah moi, c'est comme je le disais, bah déjà bonjour à tous. Moi, comme je le disais, c'est une première. C'est exceptionnel d'arriver à 2000 participants. Moi qui connais vraiment les amateurs, souvent c'est difficile d'arriver à ce chiffre. Tu parles pas fort, Momo, la première fois. Et puis en plus, quand on voit le parcours un peu du 10 km, franchement, il est très varié. En plus, c'est bien. Il est bien fait le parcours. C'est vrai que là, je remercie Philippe Boucher et toute l'organisation parce que c'est un beau parcours qui a été fait. Et puis, Après, c'était ouvert à tous, à tout niveau. Voilà, puis moi, j'espère que vous êtes tous préparés, que vous avez écouté les conseils. Voilà. Lui, les conseils dans le journal, vous avez suivi le plan de conseil. Et si vous voulez le refaire une deuxième fois, ou si vous avez des amis qui n'ont pas pu le faire, on refera vendredi prochain, le 11 novembre. Pareil, on partira à 10h15, on refera le parcours. Et surtout, il y a des gens qui me posaient des questions tout à l'heure. Comment appréhender le départ? Moi, ce que je vous donnerais comme conseil, c'est que les 5 premiers kilomètres, c'est vraiment faire votre course, mais chercher les sensations, ne pas vous emballer. C'est important. Parce que vous allez voir, à partir du 6e, c'est là qu'il faut commencer. Quand vous arrivez à peu près à la péniche, vous rentrez votre bagage, gagner. C'est à partir de là qu'il faut commencer à un petit peu aller chercher les gens. Là où vous sentez bien, bah là, allez chercher des places. N'hésitez pas. Pourquoi tu la mousses du côté?